Retour ce matin, le 7 décembre 1932. Malheureusement, pas d'archives de cette incroyable journée de remise du prix Goncourt. Mais bien des années plus tard, en 1968, le vainqueur du célèbre prix littéraire se souvient. J'étais en train de travailler. Il était, je crois, midi, midi moins le quart. Je en train d'écrire quand je reçois un coup de téléphone. Et à ce moment-là, je voyais très souvent Maurice Bourdet qui était à la radio à l'époque. Et il me dit, Maseline ?» Vous avez le Goncourt. Je vais vous dire que je ne m'y attendais pas, ou je l'espérais sans l'espérer. Son nom, vous ne le connaissez probablement pas, Guy Mazeline. Son roman, vous ne l'avez probablement pas lu, Les Loups. Ce que ne raconte pas ici Mazeline, c'est que l'ambiance est électrique chez Drouan, où le jury s'est réuni comme il le fait depuis 1914. Le sanguin membre de l'Académie Goncourt, Lucien Descaves, a claqué la porte du restaurant outré par ce qu'il considère être une trahison. La veille, on s'était mis d'accord pour accorder le prix à un jeune inconnu, Louis-Ferdinand Céline, pour son singulier voyage au bout de la nuit. Et voici que le conformisme l'emportait, c'en était trop pour des caves. Pour François Nourricier, qui dirigera l'Académie Concours dans les années 1990, c'est là le plus grand scandale de son histoire. Et Céline, sa haine des élites et des manœuvres aura été renforcée par cette affaire de 1932 au point d'en inventer un mot, un formidable néologisme, remarqué par le futur académicien Maurice Reims dans son Dictionnaire des mots sauvages, publié en 1969. J'en citerai un autre de néologisme qui est très joli, c'est Goncourtisé, oui, qui est de et, Céline. Qui est de Céline, oui. Céline détestait évidemment l'académie et l'académie Goncourt. Et il y a dans Goncourtisé, Goncourt, Courtisé, Courtisé pour avoir le Goncourt. Un an après le ratage de 1932, l'Académie Goncourt retrouva l'unanimité et le soutien de la presse en récompensant Malraux et la condition humaine en 1933. Reste que chaque année en novembre plane le souvenir de 1932, un souvenir en guise d'avertissement.